Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon tout nouveau Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 3. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, et bien c'était la galère, on avait paumé, j'avais paumé pour plus de 2000, ouais presque 2000 deniers bêtement en achetant des vaches, ce qui est quand même un peu nul. On va pas se le cacher, c'est quand même un poil nul. Du coup, on va up un petit peu les unités, voilà. Il faut vraiment que je gère un peu mieux ces héros. Ah oui, le mec est super intelligent. Ah oui, mais c'est notre soigneur. Notre soigneur à titré. C'est une compétence de commandement. Allez. Ok, d'accord. Ça c'est bon, va falloir vraiment que je rachète des équipements. On va essayer d'économiser un peu des sous pour leur acheter des équipements qui tuent. Des chevaux à chacun, tout ça. Je regarde un petit peu ce que j'ai sur moi, ça va. Alors, toi t'es niveau 11. Ah oui, elle c'est une grosse bourrine. D'ailleurs elle a l'équitation mais je lui ai pas filé de canasson. Un peu bête. Toc, on va lui monter les PV, ça va être notre gros tank des familles. Même si moi aussi je suis un gros tank. D'accord, donc lui il faudrait qu'on arrive à le rançonner, ça peut être pas mal. Ce qui me fait penser que... pourquoi ils ont plus de nom maintenant, ils ont chevalier machin contrôlant. J'ai plus de quêtes. Par contre ce qui est cool c'est quoi... Hop, pause. On en a viré un hein, de château bleu. Il y a des endroits bleus là aussi. Hein. Donc on est bien en guerre avec le royaume des Nords, faut pas oublier. Et là je me tâte vraiment à attaquer ce château. Parce qu'on chope ce château et c'est le GG à ce niveau-là. Parce que là ils vont continuer à nous faire yesh, pour rester poli. Du coup je pense qu'on va essayer de retourner là-bas. Ah ah ah. 11 plus 14. Ah 5-8 c'est un peu loin. Allez, les bandits des forêts. On va essayer de paix un petit peu. Il y a des bandits un peu partout. Hein. 51. Ah, il y a beaucoup de bandits. Il y a beaucoup de bandits. En fait, ce que j'aimerais bien, il y en a 35 ici. Si on arrive à le choper, ça m'étonnerait. Bon. Ok, on va aller du côté du château de Kulmar. Alors, ça rejoint le royaume des Nords. Hein. On voit là, ceux qui quittent le royaume des Vaegir, tout ça. On va essayer le château. Hein. Ok, d'accord. Donc ils ont encore des réserves de nourriture. On a fait la tour de guet. On va attendre encore un coup. D'accord, on attend en fait un jour. J'ai envie d'attaquer. Ils sont combien dedans? Faut que je regarde ce qu'il y a dedans. Ah, il y a peut-être un petit coup d'aide là. Ah, ouais. Ils sont pas loin. Bon alors attendez. Ça il faut pousser. Il faut continuer de pousser. On n'a pas le choix. Je sais pas trop combien il y a de Jean-Jean là-dedans. Ah c'est tellement long. Ils veulent pas se mettre dedans. Ah, ils en ont plus de près. Hein. Bon, là, ça va vite m'énerver si ça avance pas vite. Oh oui, ils en ont tué, hein, ok. Ah, mais c'est vrai que moi, j'ai un arc et des flèches. Touché, tire à la tête.
Oh oui. Moi, c'est une mauvaise idée, par contre. C'est vrai que c'est mes héros qui prennent le plus cher pour l'instant. Tire à la tête, hop. Bon, allez. J'arrive pas à les tuer, hein. Je fais juste des dégâts. Ah zut, on a perdu un Mamelouk Saranide. Il y a un meilleur des slaves. Ah ah! Alors là, ça va commencer à devenir être intéressant. Parce que là, on va commencer à pousser. Allez, c'est parti! Allez, on y va! Alors, je regarde, on a 3 morts contre 7. Ouais, ça peut se faire. Sauf que là. Ne faites pas tomber, s'il vous plaît! Ça par contre c'est horrible. D'accord, j'en ai tué un. Non mais... Voilà. Oh la vache. Le carnage. Punaise de carnage que je viens de te faire. Ah d'accord, on a toujours pas perdu de... Ah 6-7. Ah non, 7 c'était pas le truc qu'on avait avant. Attention, on se méfie. Voilà. Par contre, comment on fait pour descendre? D'accord, il y a là-bas où... Bon, là-bas ils vont gérer, je pense. 7 contre 32, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal, sachant que moi j'ai pas encore trop de prix de coups. Par contre, il va falloir se méfier là-bas. Voilà, c'est justement pour ça, il faut se méfier. Faire gaffe à ce qu'ils nourrissent pas. De nouveaux ennemis sont arrivés. Coucou! Oula! Il va nous falloir un petit peu d'aide là. La vache! Tous les tirailleurs, je les explose. Illogique. Allez, attention! Et je suis tout seul là. Je suis vraiment tout seul. Oh la vache, j'étais vraiment tout seul. C'était pas cool. Aïe! Aïe, aïe. On est à combien là? 10 morts pour 64. Je sais pas à combien. Combien il en faut qu'on en tue. Mais ça m'a l'air d'être assez impressionnant. Allez! Pousse-toi! Oh la vache! Casse-toi. Oh la vache, mais ça pop, on continue. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Vraiment que je me méfie. Parce que là, il me reste vraiment plus beaucoup de vie. Et j'ai pas envie de recommencer.
Mais venez là, venez m'aider. Attendez, 20 pour 92. Oh la vache. Ça repop. Je vais avoir besoin d'aide. Oh la vache. Dans le genre plus de vie. Aïe, je me suis fait avoir. Alors. 121 pertes chez nous. Et chez nous 60, sachant que on en a que 25 tués. D'accord. Bon, ils veulent pas se rendre. D'accord. Non mais moi je veux surtout les améliorer mes unités là. J'ai pas envie d'abandonner le siège non plus. Bon, on va attendre un peu alors. Ok, la tour de siège est terminée. D'accord. D'accord, bon. J'ai envie de dire on va y retourner hein. En plus je suis full life. Ouh. Allez, ça commence bien. Ça en a encore plein des unités, c'est ouf. Donc il est malade. Oh. C'est quand même des bons gros crétins les gens qui sont avec moi. Alors, on a 7 blessés, 0 mort, ils ont 7 morts. 9. Bon, ça va qu'ils nous les blessent seulement, mais bon. Ah, j'en ai tué un. Bon, ça va pas tout ça. Ça va pas du tout. Oula. Je suis censé avoir des bonnes compétences à l'arc, mais en fait c'est que dalle. Allez, c'est parti, on va pouvoir y aller. Poussez-vous! Allez, là, ils sont presque. Ils doivent plus en rester beaucoup. Je crois qu'il y en avait 130 des patates. Ah non, certainement pas en fait, parce que vu que j'en ai tué 121. Allez, poussez-vous! Putain, débile! Allez, casse-toi, c'est bon. Voilà. Oh, j'ai la moitié de ma vie. Sept morts contre 35.
4 en face, 5 blessés. Il me tue des vétérans là. Oh là là, ça va être impossible de passer. Allez! C'est débile. Allez, les rangs s'éclaircissent. Comment est... Fichez-moi là. Voilà, ça y est. Poussez-vous. Ça va être tellement le bordel. Évidemment que j'applique 0 points de dégâts, je peux pas... Oh là là. On peut rien faire. Moi je tape dans le tas mais... Je suis même... Je peux pas taper en fait. Débile. Il est tombé inconscient, comment ça tombe? Ah oui d'accord, il est tombé et puis il s'est fait mal. Putain, ils ont encore plein d'ennemis près. Ouais, c'est des lanciers. Oh non mais t'es sérieux? Ça je demande le ralenti, je demande la cam. Wow. Ah. Oula. Ok, ça va. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie. Je vais essayer d'aller chercher ceux qui sont là-bas. J'arrive, mais j'ai du mal. Hein. J'espère que dans Bannerlord, ça sera quand même un petit peu moins what the fuck les combats. Parce que là, des fois, hein, ça fait un peu peur. Eh, mais on y arrive là. 20 morts. Ah, il va falloir que je refasse les effectifs, le jeu. Yes, on y est arrivé. Ah, quand même. Ah oui, bah par contre là c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut recruter? Toc, des fantassins. Ah oui, je peux en refaire plein du coup. Toc, on peut recruter plein de trucs. Capacité du groupe atteinte. Garde de caravane. Cavalier mercenaire. Et puis le reste, c'est bon. Et bim! Et bim! J'ai envie de dire que là, on a géré la pastèque. Ce qui ne veut rien dire. Ce qui ne veut absolument rien dire. Allez! Et bim! Ah oui, mais c'est à moi du coup! Aucune garnison! Ah oui, non, mais ça chlingue! Ça chlingue! Alors attendez! Parce que là, ça veut dire qu'il va falloir mettre de la garnison là-dedans. Voilà. Et mettre de la garnison, ça veut dire laisser des unités. Et laisser des unités, j'aime pas ça du tout. Oh la vache, sans plus. Donc, il va falloir laisser un max d'unités en fait. Voilà. Ok, des fantassins.
Ah, les hommes d'armes, je vais quand même les garder parce que c'est de la cavalerie. Bon, vous savez quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je gère vraiment ce fort-là, cette garnison. 34, c'est pas beaucoup. Donc, du coup... Ah, ils sont hostiles à mon égard. Va falloir qu'on récupère des unités, beaucoup d'unités. Et aussi qu'on arrive à filer ces saloperies de prisonniers à un rançonneur. Il va falloir récupérer des nouvelles unités. Oh là là. Gaffe. On va voir du côté de Lucas. Par contre, il y a beaucoup de bandits. Ça pourrait être pas mal de s'en occuper de ces bandits. Taverne. Alors, est-ce qu'il y a de quoi vendre entre guillemets des prisonniers? Ouais, nickel. Pouf, plein d'argent. Comment on peut vendre ces gens-là? Je sais pas du tout. Les cavaliers mercenaires. Ah, ils sont chers. Mais bon, j'ai fait pas mal d'argent. Et j'en gagne pas mal à la longue. Allez, on va essayer de remonter. Ah, je construis une école actuellement. On va essayer de remonter un petit peu la quantité d'unités que j'ai. J'ai aucune quête à faire. Donc on a quand même pris un château. Et un château, c'est pas rien. Et je suis plutôt content de moi. Sachant que du coup, il n'y a plus de bleus comme ça qui traînent dans notre royaume. Ce qui est une très bonne nouvelle. Et par contre, il laisse tellement plus d'unités que moi dans les châteaux. Ah, 10 hommes. Alors attendez, je vais peut-être faire un petit truc. Rapport budgétaire hebdomadaire. Almar, groupe... Ah oui, mais comme je l'ai pas encore, le château, il n'est pas encore apparu là-dedans. D'accord. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Ah oui, c'est neutre à mon égard. On n'a pas trop le choix, il faut récupérer des unités un peu partout. On va remonter du côté de Jirim, tout ça. D'accord, donc Colt Talbar est devenu le maréchal. Ah, Utipstein, je crois qu'ils vont me dire d'aller me faire foutre. Parce que je les ai tellement pillés. Qu'ils en peuvent plus, les pauvres. Ah, celle-là aussi. J'ai envie de les attaquer, parce que là, ça fera pas mal d'XP, et puis c'est facile, c'est des bandits des forêts. Je suis curieux de voir. Attendez, hop, suivez-moi. On a un avantage de combat de 2. Ah oui, on commence à avoir quand même pas mal de cavalerie, là. Et la cavalerie, c'est la vie. Bref, vous pouvez charger tranquillou. Oula! Ça n'est pas visé, bande de sagouins. Non mais... Alors, c'est cool la cavalerie. Par contre, faut juste éviter de passer devant mon nez. Et se font mais rouler dessus. C'est hashtag la violence. Y a pas de nouveaux ennemis qui sont apparus? Ah si. Allez, je les défonce bien. Oh la vache. Les mecs, ils ont pas encore compris que j'étais en train de les défoncer. Oula, toi tu vas pas aller bien loin. Et bim! Et bim! Une épée qui est rouge de sang.
Aucune perte, 34 tués, 6 blessés, bim. Bim, bim, bim. Je regarderai, c'est bon, j'ai encore pas mal de trucs. Ah, il va falloir que j'ente des trucs aussi, là. Il va falloir que j'ente des trucs et que j'équipe un petit peu mes gens. Alors, des soldats sont prêts à être promus. Cavaliers, mercenaires, ah, bah voilà. Des lanciers, ah oui, mais les lanciers, c'est pas forcément ce que je veux. Il faut d'ailleurs que je les upgrade en vétérans. L'idéal, ça serait vraiment de les mettre en vétérans. Et de les laisser au château. Sauf si, évidemment, le salopard de roi me dit d'aller me faire mettre et me vire du château. Parce que là, pour l'instant, il est à moi, mais peut-être qu'il va me l'enlever des mains quand il aura décidé de ce qu'il veut faire. Alors là, il doit y avoir le maréchal qui traîne ici. Mais pourquoi je veux pas aller dans le tendroit. Taverne. Non, il y a personne. Marchand de biens. Vendons un peu toutes ces merdes. Et si j'essayais d'acheter un petit peu d'équipement pour mes gens. Je veux juste voir un petit peu combien ça coûte. Ouais, du pain à 46. Allez. Ah oui, ça coûte un peu d'argent. Des chevaux. Sachant que. Ah oui, mais j'ai pas assez d'équitation. Sinon, je me serais bien pris un bon gros cheval de guerre fougueux. Ouais, par contre, c'est pas la même maniabilité. C'est sûr. Marchand d'armes. Ah non, moi j'ai une méga arme qui tue. Qui tue sa mère. D'accord, qu'est-ce que je peux faire? On va regarder un petit peu tout ça. Alors attendez. 37, 18, 15. Alors attendez. Il faudrait une épée à une main. Ainsi qu'un casque. Alors attendez, on va le EP un peu. Alors t'es qui toi? T'es un peu tout et n'importe quoi en fait. Ce qui m'arrange pas des masses. Ça m'arrange pas des masses. Il faudrait que je le mette en connaissance du terrain. Voilà, comme ça on va plus vite. Ah merde, c'était qui? Bon, alors attendez, on va le faire dans le bon sens. Toi. Toi, tu es une guerrière. Sachant que tu as de l'équitation de bon niveau, il faudrait que je te mette un canasson. Un canasson avec. Il faut que je t'achète un casque au minimum. Un casque et un bouclier. Canasson, casque, bouclier, ça pourrait être pas mal. Un bouclier. Alors. Toc. Ah oui, ça me coûte cher. Un casque. Voilà, j'avais oublié de me prendre un bon casque moi aussi. Enfin, des bons gants. Un casque, plus 40, sachant que, bon, ça coûte bien moins cher, je vais prendre celui-là. Et un canasson. Un canasson qui coûte pas trop cher. Ouais, je voulais chercher du 2. Toi, tu vas bien. Comme ça, on aura Mathilde qui va être un peu plus équipée. Bim, bim, et bim. Voilà. T'es un peu plus protégé. Normalement, tu devrais peut-être un peu plus survivre. Borcha, t'es qui? Zut. Compétence. Tuer, tuer, tuer. Ah oui, non, mais on avait déjà une connaissance de terrain. Faudrait vraiment que je note quelque chose. Là, ça pue. Repérage, donc t'es notre pisteur. T'es notre pisteur qui est bon en équitation, tout ça. Ouais, bon, vous savez quoi, j'ai envie de dire, on le fera plus tard. On le fera plus tard, c'est chiant. Contre-lance, c'est contre Talbar, le. Qu'est-ce que vous faites? T'es
D'accord. Ok, donc il ne supporte pas pour moi, il supporte pour le roi. Que faites-vous? Je mène actuellement l'armée du royaume. D'accord. Bon, bah, je suppose que je vais avoir bientôt le droit à un petit message. Ça m'étonnerait pas. Donc, ce que je vous propose, on va récupérer un petit peu des volontaires. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va arrêter là l'épisode, en fait. On va se mettre là. On va arrêter là l'épisode. Dans le prochain épisode, en fait, on va suivre l'armée, parce que je suppose qu'ils vont partir en campagne. Aller quelque part, choper des châteaux. Donc, on va faire ça. On va les suivre, et puis on va voir comment tout ça évolue. En tout cas, ben, plutôt un bon épisode. On a récupéré le château de Kulmar à nous tout seul, badass. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Et puis, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien !